Maman, elle était partie au travail. Du coup, j'étais toute seule avec les chats. Et du coup, je suis partie dans la salle de bain. J'ai regardé un peu partout et je me suis dit, bah voilà, il y a le maquillage de maman. Pourquoi je pourrais pas essayer de me maquiller? Parce que j'adorais son maquillage. Du coup, j'ai pris du mascara, je m'en ai suivi. Après, j'ai mis un peu de fard à paupières, du gloss, du fond de teint. Et après, j'ai entendu un bruit de porte. Du coup, je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je faisais comme si je dormais. Heureusement, mais malheureusement, maman m'avait vue. Elle est entrée dans ma chambre, elle disait « Arrête de faire semblant de dormir ». Je lui ai dit « Oui, d'accord ». Et après, elle m'a dit « Viens me regarder de plus près ». Elle a dit « Qu'est-ce que t'as fait ?» Bon, d'accord maman, j'ai mis ton maquillage. Mais après, elle m'a grondée et du coup, j'ai été vraiment punie. Pendant très longtemps. Et pourtant, j'ai refait une fois, je crois. Ouais. Mais cette fois, elle m'a pas remarqué. Il y a une grosse bêtise que je rêve de faire, mais je le ferai jamais. Renverser du jus d'orange sur toutes les maîtresses de l'école. J'aimerais bien que mes parents y partent en week-end et que je leur fique la carte bleue, que j'achète McDo, que j'achète des confettis, que je fasse la boum dans la maison et je ramènerai la télé dans le jardin. Quand j'étais petit, en entrant dans mon salon, j'ai pris des feutres indélébiles et j'ai commencé à dessiner des personnages et des maisons sur les murs. Et on a dû repeindre tous les murs. Une fois, quand j'étais petit, j'avais 5 ans, je mettais ma culotte sur la tête. Et quand je sortais du bain, je mettais ma culotte sur la tête et puis je sortais dans la rue. Tout nu, je me baladais partout. Un jour, quand j'étais chez ma mamie, donc il y avait justement 2 chats. Et moi, j'étais en haut, ma mamie était en bas. Il y avait des ballons. J'en ai pris un, je l'ai gonflé. Après, j'ai relâché le ballon sur l'un des chats. Ça fait... Je crois qu'il s'était enfui ou parti sous le lit. Enfin, il a eu peur, quoi. Je voulais voir ce que ça allait faire. Et en plus, c'est rigolo quand un ballon, il fait... J'aimerais bien le refaire. Mais bon, comme c'est une bêtise... À l'école, maman elle nous a dit vous n'avez pas le droit de jouer aux fléchettes si je suis pas prévenue, et on l'a quand même fait. On a joué aux fléchettes et j'ai planté ma fléchette dans le cocon de ma mère. Je l'ai arrachée après et il y avait une grosse marque. Du coup, j'ai retourné le concombre. Elle a rien vu sauf quand elle a épluché. Un jour, j'étais à l'entrée avec mon cousin et on jouait à se lancer la casquette et je voulais jeter la casquette sur mon cousin, mais elle est arrivée sur ma mamie et ça a cassé ma mamie. Enfin, la photo de ma mamie. Je me suis sauvée de la maison de mon tonton en Ardèche quand j'étais petite, quand j'avais 4 ans. Et parce que je voulais voir les poules et les lapins et les coqs et je me suis fâchée pour ça. J'étais dans la forêt et dans la nuit, et ben, mes parents ils m'ont cherchée dans la forêt. Un jour, j'avais 1 an et demi et j'étais chez mon papy et ma mamie et je croyais m'être transformée en lion et je disais « Lion, mamie, Noah, lion, mord, mamie ». Et après, je suis arrivée vers elle à 4 pattes et je l'ai mordu très fort. Et elle avait un gros bleu quand elle a soulevé, mais elle a quand même rigolé.
avait lancé le chien dans la piscine alors qu'il y avait papa à côté. On s'est deux à la cantine, là quand la madame est venue ramasser les affaires de la salade là. Et bah j'ai dit merci madame pourrite. Elle a dit quoi? Le truc que t'as dit avant, j'ai dit merci madame pourrite. Moi, une fois, j'étais tout seul dans le garage, je suis passée en dessous de la voiture et j'ai arraché un fil et mon père, il m'a grondé. Et la voiture, après, elle ne démarrait plus. J'étais chez ma mamie en train de jouer au coiffeur avec mon cousin. J'avais pris les ciseaux de la cuisine et je lui ai coupé les cheveux un peu boule à zéro. Un jour, quand j'étais petite, j'ai mis mon chat dans ma baignoire et j'ai ouvert le robinet. Il est reparti en trombe et en fait, il avait triplé de volume et il avait les poils tout hérissés. Moi, un jour, j'ai pris les ciseaux dans la cuisine. Je les ai montés en cachette et j'ai coupé les cheveux de mon petit frère avec.